Dans cette vidéo, on va analyser les logs d'un abonné. On va voir tout ce qu'il peut faire pour s'améliorer en termes de stuff, en termes d'ordre de compétences, en termes de tout ce que tu veux. Et cet abonné-là, c'est Cacahuète. Cacahuète, c'est un orc, il est guerrier, et je te montre sa page de profil tout de suite. Voilà le profil de Cacahuète. Donc Cacahuète, il fait des logs en gris, en vert, et il est en mode, qu'est-ce que je fais qui ne va pas bien? Donc du coup, on va se baser sur pas mal de choses. On va se baser sur deux joueurs qui partent haut sur Hungering Destroyer, pour également voir un petit peu leur cycle, etc. Et on va voir qu'est-ce qu'il peut faire de mieux. Donc dans un premier temps, Cacahuète. Si on peut aller checker un petit peu d'infos sur Cacahuète, je vais prendre par exemple son dernier, le dernier kill. Donc par exemple, on va prendre le Destructeur Affamé, parce que c'est un bon boss, c'est un boss poteau, etc. C'est parfait pour voir pas mal de choses. On va cliquer le Destructeur, il a fait un seul down, il avait 215 level à ce moment-là. Et donc 215 e-level, il a fait une perf à 13 normal et à 24 en e-level. Donc si on va checker rapidement, à ce moment-là, Cacahuète, déjà on peut regarder un petit peu ses stats. En termes de stats, qu'est-ce qu'il a notre Cacahuète? Du coup, il a les bons talents. Okay, les talents, ils sont bien. Ce qui est important, c'est de jouer Warbreaker, Avatar, Ravageur, School Sleeper, c'est bien. Et en termes de stats, du coup, on se situe sur du... Donc, sachant que le premier stat, c'est le crit, deuxième, c'est la hâte, et après, whatever, mais c'est deux stats-là importantes. Il a 440 de crit, 500 de hâte, beaucoup de maîtrise, beaucoup trop de maîtrise, et un peu trop de poly aussi. Bon, après, j'imagine qu'il a équipé ce qu'il pouvait. Bon, en tout cas, évidemment, si dans un monde, tu peux augmenter ton crit, voir ta hâte, surtout ton crit, hein. Le crit c'est vraiment très important, au sacrifice de la maîtrise ou de la versa, vraiment ne pas hésiter. Par exemple là tu joues signé, tu l'as mis en crit hâte, ouais c'est parfait. Mais ouais c'est ça, il faut du crit et de la hâte, bon j'imagine, tu t'en doutes, mais en tout cas si t'arrives à en choper c'est bon, et évidemment sinon il level prime. En termes de soulbind, du coup il est parti sur Nadja, ce qui est bien. Par contre, tu joues Mortal Combo, donc le truc sur la frappe mortelle en étant 20 tirs, c'est pas fou. En vrai, là-dessus, donc ça c'est très bien, par contre tu joues Mastodonte descente, ça c'est la grosse valeur sûre. Si on prend par exemple l'exemple d'un mec qui jouait 20 tirs aussi, hein, qui a passé haut sur ce fight, on va regarder rapidement, lui il joue pareil, évidemment il joue ça. Donc la chaîne du Gurnaut, mais sinon le deuxième truc qui est pris, c'est le Dunchess Dualist. Ça, en mono, c'est ce qu'il faut chercher à prendre en guerrier arme. Donc mine de rien, ça fait quand même un bon petit up de dégâts. Donc en gros, quand tu vas viser une cible, il va te faire moins de dégâts et tu vas faire 3% de dégâts supplémentaires. Donc déjà ça c'est pas mal, et quand tu peux mater, bah lui il est blindé de hâte, il a du crit. Mais et si tu regardes l'autre également, un autre mec qui a bien parse, ouais beaucoup de crit, 600 de crit, 400, et après un peu moins des autres hâtes. Encore que c'est assez équitable chez eux mineur. Une fois que t'as ça, une fois que t'as les bons liens d'âme, donc juste pour l'instant, déjà un petit up, tu pourrais au moins mettre les bons liens d'âme. Ensuite, on va regarder un truc qui est assez basique. On va regarder. Bon, déjà, il y a un kill timer long, hein, donc évidemment, ça n'aide pas d'avoir un kill timer long. Encore que, au moins, il y a une grosse phase d'exec et tu peux te faire plaisir à la fin. Là, on peut voir que sur l'open, tu montes à 7k5. Ok, t'as 215 level, etc. Mais un guerrier arme à l'open, ça monte extrêmement haut. Tu vois, par exemple, si on va mater. Lui, si on regarde son open, il monte à 25k mono, et l'autre il va monter environ dans les mêmes eaux, il monte à 22k. Donc là il y a déjà une différence de 12 500, donc plus de 2 fois le DPS. Alors les mecs ont plus de gear, hein. Là si on prend les mecs là en l'occurrence, le mec là par exemple, il a tac, e-level 227 et l'autre il doit être à peu près dans les mêmes zones. Évidemment l'e-level joue énormément sur les dégâts et ce que tu es capable de fournir. Ça voilà, tu peux rien y faire, 230 e-level, armement 233, etc. Évidemment ça y joue. Mais tu choisis que ça y joue pas tant que ça, et tu peux au moins monter à 15 000 facile sur une open en faisant le bon cycle. Donc on va voir rapidement déjà quel est ton cycle d'open, parce que c'est le premier truc qui est important. Mine de rien, si tu gères bien ton open, généralement ça va pouvoir découler plus rapidement sur la suite, et bien maîtriser son open c'est extrêmement important. Donc si on va dans chronologie, donc ça c'est le graphe de Cacahuète sur l'ordre des compétences qu'il a fait. On peut voir que direct t'as fait charge, double charge, ça c'est une bonne chose. Direct t'as dumpé en condemn. Je crois pas que ce soit une bonne chose ici, mais il vaut mettre honnêtement un casse-crâne. Soit tu fais charge, casse-crâne, charge, soit tu fais juste charge, charge. Mais ton but ici, c'est pas déjà de dumper ta rage, c'est d'en avoir un max pour le moment où tu vas mettre Warbreaker, plus tout le truc, tout l'univers. Tu vas mettre ton trinket, tu vas mettre ton racial orc, et tu vas mettre également ton ravageur.
Donc ce qui est vraiment important, c'est de line tout, tu vois. Ici, si on va mater par exemple les graphes des autres, je les ai pas regardés avant, hein, ça va être la surprise, mais normalement c'est ce qu'ils font. Si on va mater ici, cast timeline, tu vois, c'est charge charge. Lui, il a pas parti, il est pas parti sur l'option cast crâne. Il met, oui, il y a également prépote, hein, ça c'est important également. Ça, quand on progresse avec ta quête, si tu sais que tu penses que tu peux donner le boss, il faut utiliser des prépotes, c'est vraiment important. Donc là, tu as avatar, et d'accord, hein, il met pas son racial orc ni rien, peut-être qu'il est pas orc hein, d'ailleurs. Mais là, il faut tout mettre, hein, faut mettre trinket et tout le bordel. Donc avatar, ravageur, frappe du colosse. Ça, c'est vraiment important. C'est ravageur, frappe du colosse. Tu mets les deux. Pff, limite, peu importe. Mais ça, c'est vraiment important. C'est là où tu vas faire un max de dégâts. C'est là où tu vas pouvoir avoir de la rage infinie et où tu vas faire proc ton signé. Oui, tu joues bien signé également. Donc, tu joues la bonne légendaire. Donc là, il faut que tu dumps ou que tu mettes tout pour avoir. Parce qu'en fait, signé, quand tu vas utiliser tes pouvoirs comme avatar, etc., ça va te faire proc les autres. Et c'est là où tu as une énorme phase de dégâts et de burst. Parce que là, tu vas tout proc. T'es sous avatar, t'es full rage, etc. Et ton but, c'est de mettre un max de condamn. Normalement, sur les 20 premières secondes, t'es full buff et après, tu mets 14 exécutions. On va voir combien il peut en mettre, là il en met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, à la rigueur 15. On va dire que lui il en a fait, sur les 20 premières secondes, outre le fait de s'être boosté, il a réussi à caler 15 condamnes, qui sont toutes boostées, etc. Si on reprend par exemple le cas dans ton cas, Cacahuète, du coup toi t'es parti direct sur une première condamne, et celle-ci elle compte pas vraiment, et ah, t'as pas mis avatar non plus. Ah, l'avatar, il est mis où? Ah, il est mis grave tard, l'avatar. Ouais, ça c'est important. Hein. L'avatar, là, du coup, tu le mets à 30 secondes. L'avatar, faut vraiment, vraiment, vraiment tout line. Hein. Sur WoW, le principe, c'est vraiment... Sur toutes les classes, c'est pareil. C'est tu mets tous tes cooldowns ensemble. Parce que plus tu mets des cooldowns ensemble, plus tu vas être fort. Typiquement, augmenter de 20% tes dégâts hors burst, ça va pas augmenter de grand chose. Mais augmenter de 20% tes dégâts pendant le burst, c'est fort. Donc là, il y a Ravageur également. Tu l'as délay... Ouais, il est delay tard. Faut vraiment tout mettre ensemble ici. Tu vois, genre, il est à 20 secondes, l'autre à 30 secondes. Faut que Ravageur, Avatar, frappe du colosse, boum, 2 secondes, c'est parti. Charge, c'est bien, par contre. Ça, c'est excellent. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est une bonne idée. Là, tu, très bien également, dans un mini-ton racial, tu peux très bien le mettre direct. Hein. Tu te fais une macro, tu mets Avatar, tu mets frappe du colosse, tu mets ton racial orc et tu mets la pré-pote. D'ailleurs, la pote, tu l'utilises quand? Ah, tu l'utilises en phase exec. C'est vrai que vu que t'as un kill timer long en soi. C'est pas déconnant. C'est vrai que c'est ça, du coup, c'est pas déconnant. On y reviendra, mais après, bon, peut-être pas partir du principe que vous allez faire 7 minutes sur le boss. Mais whatever. Donc après, généralement, tu mets tout. Honnêtement, tu te fais une macro. Alors, ça, je te conseille quand même de le faire à la main, pas dans la macro, la prépote. Mais une macro, tu fais tout. Donc, tu fais frappe du colosse, Warbreaker. Oh, pardon. Warbreaker, du coup, qui est l'équivalent de la frappe du colosse, tu mets ton racial orc, tu mets ton trinket en l'occurrence, rien que ça, c'est ultra value et tu vas mettre ton avatar avec. Donc, tu as les 4 qui vont être parfaitement line sur ta courbe et tu vas juste mettre en plus ton ravageur. À partir de là, tu vas pouvoir dump les execs. Tu vois, du coup, là, tu te retrouves vraiment faible en rage, du coup, tu peux pas enchaîner. Là, tu vois, par exemple, tu peux en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'en as 8, tu vois, il en a 15 et 15 surboosté. Donc forcément, la différence déjà dès le début de DPS que tu peux fournir, elle est forcément monstrueuse. Alors certes, d'ailleurs, tu vas mettre un petit peu plus de dégâts parce que tu délayes tes cooldowns, mais il faut aussi voir ça, c'est que sur WoW, les cooldowns, bah, c'est assez basique, c'est que les cooldowns, si tu les utilises, bah ils vont être en recharge derrière. Et ton but, c'est de tout le temps les mettre en recharge pour pouvoir les avoir un maximum. Il y a deux buts, c'est un, les avoir le plus possible, et deux, les avoir au meilleur moment. Des fois, effectivement, il vaut mieux délay, parce que ça te permet de les avoir à un meilleur moment, et au final, tu pourras en mettre autant dans le fight. Ou des fois, tu vas en perdre un, mais c'est vraiment un meilleur moment. Mais sur des boss mono, en général, à moins qu'il y ait des mécaniques de ouf, tu vas pas délay, tu vas les mettre en cooldown. Typiquement, si tu les récupères et qu'il va faire son truc où il dévore tout le monde, là, effectivement, t'attends qu'il dévore tout le monde, et ensuite tu mets tes cooldowns. Mais dans l'absolu, les cooldowns sur WoW, dans 95% des cas, tu les mets en cooldown et il faut vraiment les mettre direct en cooldown pour en bénéficier un maximum. Ça, c'est vraiment très important. Donc déjà là, honnêtement, rien que tu fais ça, tu prends ton test dualiste, tu mets tout en même temps, tu te fais une grosse macro K, tout ça, tu utilises bien ta potion de force sur le burst du début, rien que là, tu vas te mettre... Mais... extrêmement bien. Ensuite, si on regarde un petit peu l'ordre d'exécution du coup au niveau de ton fight. Donc c'est parti, on va aller mater ça rapidement. C'est parti.
Donc il y a tout ça. Ensuite, le casse-crâne, tu l'utilises, donc ça c'est bien. Il y en a un qui l'utilise au début, d'autres qui l'utilisent qu'après. Honnêtement, c'est pas gênant, il faut bien l'utiliser en cooldown, hein. Pareil, pour bien récupérer la rage. Il va y avoir des phases où le boss, et là où c'est ça qui va m'intéresser, il va faire... Tu vois, déjà, je vois un autre truc qui est très important, c'est que tu n'utilises pas le renvoi de sort. Je le vois pas dans ta liste de sorts. Et renvoi de sort, c'est extrêmement fort sur ce fight. On va prendre par exemple lui, à tous les coups il va l'utiliser. Voilà, il l'utilise. Donc si on prend par exemple lui, renvoi de sort, tac, tu vas regarder, touc 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 touc, il va l'utiliser à 37 secondes. Et du coup, tu vois, il perd pas d'uptime. En fait, c'est ça qui est important, c'est qu'en war sur ce fight, le spell reflect te permet de dodge, de pas prendre les dégâts de la mécanique où t'as l'orbe à poser. Donc par exemple, si on va checker, ici à 37 secondes, il l'utilise. Si on va regarder au niveau du replay, 37 secondes. Tac, 37 secondes. Tu te mets là, tu vas checker les compétences qu'il y a. Donc là, il y a les miasmes, blablabla. Et là, tu vois, tout le monde part, parce que tout le monde se spread pour aller poser son orbe. Mais lui, il a pas besoin. Parce que lui, il a juste à faire spell reflect et tu verras, sa vie, elle va pas bouger. Il va prendre zéro dégâts. Il spell reflect, boum, il reste sur le boss, il prend pas de dégâts. Et ça, c'est extrêmement fort parce que l'uptime, c'est là où t'as la plus grosse... Une des plus grosses, mais généralement la plus grosse différence entre les mecs qui vont passer en légendaire et les mecs qui vont pas passer en légendaire. C'est-à-dire qu'il faut que tu regardes au niveau de ta classe. Par exemple, sur le Discord des Wars, il y a ça, hein, il y a la liste. Également, je peux te la donner sur mon Discord si tu as besoin. Mais il y a la liste de tous les sorts que tu peux renvoyer de sorts. Et sinon, simplement, tu vas sur les logs des mecs et tu regardes ce que les autres guerriers font. Exactement comme je suis en train de faire. Et tu dis, bah tiens, c'est bizarre, le mec, il se barre jamais du buzz. Et tu te fais, ah, mais peut-être qu'en fait, et là, tu vois... Le fait de mettre ton renvoi de sort va faire en sorte que tu ne prends pas les dégâts de la boule. Donc tu n'as pas à aller partir au fond de la salle, tu n'as pas à perdre de temps et à revenir. Alors, tu as le bon réflexe, tu utilises Interv, tu pourrais même utiliser Charge pour revenir sur le boss. Mais le mieux, c'est de ne pas quitter le boss. Et tu as cette chance en guerrier d'avoir renvoi de sort qui est un des sorts les plus puissants de tout le jeu. C'est peut-être même le plus puissant, tu vois, genre des sorts défensifs. C'est que 25 secondes, tu mitiges 20% des dégâts magiques et en plus, ça te permet d'outrepasser un paquet de mécaniques. C'est très très fort le mode sort. Et c'est vraiment kiffant en plus de le faire et de te prendre, bah, allez vas-y, bah tiens le boss, bah alors, regarde, tu me fais pas de dégâts, bah non. C'est vrai que c'est très très kiffant le mode sort. Donc ici, dans ce cas-là, en l'occurrence, t'avais pas besoin de déconnecter du boss, et du coup là, t'aurais gagné déjà 5, 10 secondes de DPS, tu te rends compte? 10 secondes de DPS. Parce que là, t'es parti, Heroic Clip, là déjà t'aurais pu en mettre un GC avant d'Heroic Clip, je pense. T'as attendu que ça pète, t'es revenu avec l'interne, c'est sûr, hein, là on va checker. Du coup, 37 secondes, pareil, hein, même timer de fight que chez eux, hein, c'est logique. Tu vas à 37, parce que c'est pas dépendant des HP sur ce boss. Tu vas à 37 secondes, bloum, 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 bloum. Et là, effectivement, du coup, t'as tout le monde qui se barre. Même d'ailleurs ton pote Warfury, donc n'hésite pas à lui dire aussi, hein, de regarder la vidéo. Mais ton pote Warfury, c'est pareil, hein, il a également accès au renvoi de sort, il a pas besoin de se barrer. Donc là, vous vous barrez et tu perds, t'as vu, beaucoup de temps d'uptime. Donc toi, t'es ici en l'occurrence. Et tu vas tout au fond de la salle pour poser ton ordre. Ce qui en soi est une bonne chose niveau strat. Mais tu vois, tu perds 10 secondes de DPS, c'est monstrueux. Après, bon, là, je pourrais dire également des choses au niveau des socs. Mais bon, ça, je vais pas rentrer sur les strats dans cette vidéo au niveau de ta guild. Hein, ça, c'est, on fera d'autres vidéos purement strat dédiées au boss où on peut analyser des logs. Ça sera une autre thématique de vidéo. Mais on va déjà juste regarder toi ce que tu peux faire de mieux. Donc là-dessus, vraiment, tu peux déjà gagner énormément également. Donc là, tu vois, ça te fait déjà plusieurs axes d'amélioration sur ce fight où tu vas gagner, mais énormément. Et je te parle sur ce fight, mais c'est une logique à appliquer sur tous les fights évidemment. Donc, c'est pareil, hein, sur Urlet, tu mets le même burst au début. Sur les autres boss, tu vas bien regarder est-ce que ton robot sort fonctionne ou pas. Là, je te prends l'exemple de ce fight parce que c'est un fight poteau et que c'est un bon fight pour montrer ce genre de truc, mais ça te permet de voir un petit peu tout ça, quoi. Il y a également une autre astuce qui est assez basique que je peux te montrer. Je vais te montrer ça tout de suite. C'est qu'on va prendre ce log là, on va reprendre ton log, on va reprendre ton log. Donc, si c'est le kill de ta guild, il y a un site qui s'appelle WoAnalyzer. Alors, il n'est pas incroyable, il est pratique. Il y a des avantages et des défauts, il faut l'utiliser efficacement. Tu rentres ton log dedans. Donc, c'est WoAnalyzer, tu rentres ton log dedans, tu te sélectionnes. Donc, ici, cacahuète. Cette spec n'est pas supportée. Je m'en fiche. Bon, bah, du coup, ça marchera pas très bien, mais whatever.
Là, il va te donner plein d'infos sur qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Par exemple, il te dit que tu n'as pas utilisé Die by the Sword. Me dis pas que c'est vrai. Me dis pas que c'est vrai. J'ai regardé, mais me dis pas que c'est vrai, cacahuète. Me dis pas que tu n'utilises pas ton CDDF, cacahuète. Attends, on va regarder. Alors, du coup, si on va... Je vais te reprendre, du coup. Bloom, 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 cacahuète. Est-ce que tu as utilisé sur tes sorts... même chronologie, on peut bien les voir comme ça. C'est vrai que t'as pas utilisé du tout ton CDDF. Alors ça, faut faire gaffe aussi. Hein. Ça va pas augmenter ton DPS, mais ça va vraiment aider ton groupe. Hein. Ton CDDF, il est très fort. Tu peux l'avoir toutes les minutes 30 sur Shadowlands avec le conduit qui te récupère la vitesse dessus, du temps sur le dessus. Et toutes les minutes 30, tu peux mitiger de 30% les dégâts. C'est extrêmement fort. Tu peux vraiment beaucoup aider tes soigneurs là-dessus, ou tenir les miasmes, etc. C'est... Après, t'es pas mort, non, absolu. Mais ça peut vraiment bien aider tes healers. Et ça, c'est que 1 minute 30 de cooldown, donc faut vraiment en user, en abuser. Hein. C'est vraiment très fort. Un peu comme le renvoi de sort qui, en plus, te permet d'ignorer les mécaniques. Bah, mine de rien, tu fais également gagner de la vie au niveau de tes healers, et ça aide à fond. Et donc, il va te donner pas mal d'infos. Alors là, t'as, en l'occurrence, ta spé, elle est pas supportée sur Shadowlands. Donc, les infos, elles vont pas être ultra pertinentes. Par exemple, il va dire que tu pouvais faire plus de Mortal Strike. Il te dit que t'as bien utilisé tes execs dès que tu pouvais faire exec à la place de Mortal Strike. Et par contre, t'as apparemment une perte de Mortal Strike sur la phase d'exec. Ouh, Deep Wounds qui est pas refresh avec Mortal Strike pendant l'exec. Ah ouais, ça c'est un autre truc qu'il faut faire très gaffe en spéarm. Et bah tiens, on va vérifier tout de suite. En gros, en spéarm, faut pas se dire j'exec si je peux exec forcément. Il y a des trucs à maintenir en priorité. Typiquement, en PvE, c'est très simple. T'as juste un truc à vérifier. Un seul, en termes de time, de buff, debuff, ce qui est beaucoup moins que toutes les autres spés de jeu. Hein. Donc arme, c'est vraiment une des spés plus accessibles, donc en plus, c'est pratique pour cette vidéo. C'est Deep Wounds, donc c'est ta maîtrise. En gros, quand t'es en guerrier arme, quand tu mets une Mortal Strike, ou que tu mets une frappe du Colosse, ou que tu mets Ravageur, tu vas appliquer un debuff qui est Deep Wounds. Donc par exemple, si on va mater sur le mec là, donc le mec qui était là, qui a fait des gros logs, etc. Là, on va regarder ses buffs. Tu regardes ses buffs, bloom, bloom, bloom. En l'occurrence, c'est un debuff. Donc, on va regarder les debuffs qu'il met. Voilà. Donc là, ce que je te montre ici comme graphe, c'est assez basique. C'est les debuffs que le boss s'est pris de la part de Sakra. Donc en l'occurrence, le guy arm qui a fait beaucoup de dégâts. Tu peux voir l'uptime qu'il a au niveau de ses différents trucs. Donc adversary, c'est le lien d'âme que je te recommande de prendre, qui fait 3% de dégâts en plus. Donc évidemment, dès qu'il le tape, il a 100% d'uptime. L'autre truc qui est très important, ça, c'est indispensable. Il faut avoir 100%. Vraiment, 100%. D'uptime là-dessus. En PVP, il faut les deux là. Il faut Mortal Wounds et Deep Wounds. Mais en PVE, il faut uniquement Deep Wounds. Deep Wounds, c'est ta maîtrise qui va faire que ça augmente tes dégâts sur la cible. Ça, c'est indispensable. Il faut que ce soit tout le temps. C'est très simple en plus à mettre. Tu as juste à faire soit frappe du colosse, soit ravageur, soit frappe mortelle. Et ça va directement mettre un debuff sur la cible qui va le faire saigner et qui va faire en sorte que tu lui mets plus de dégâts. C'est indispensable d'avoir un uptime de 100%. Donc en gros, ce que ça veut dire... C'est que si t'es en phase d'exec, il faut quand même mettre des frappes mortelles les moments où t'as pas ta frappe du colosse ou autre pour continuer de debuff la cible. Ça, c'est vraiment important sur la diff de dégâts à la fin. Je vais regarder du coup sur ton graph à toi, t'es à combien d'uptime sur ça. Et d'ailleurs, frappe du colosse, on peut voir qu'il en met 6, mais ça dépend de la durée du fight. Mais ce qui est vraiment important, c'est le temps d'uptime de Deep Wounds en Gaia. Donc on est parti pour voir ça. Donc cacahuète. Tac, on va prendre les ennemis, on va prendre les debuffs et on va prendre venant de toi. Donc, les debuffs que Cacahuète a mis sur le boss. Hop, tu vas sur tableau. Donc, pour rappel, hein, tu vas sur ton log, tu vas sur ennemi, tu vas sur debuff, tu vas sur tableau. Et ensuite, du coup, tu peux regarder ça. Et en vrai, tu vois comme quoi Buenalaser est un peu claqué, t'es vraiment pas loin. Bah, non, t'es loin, mais parce que 88% c'est loin de 100 quand même, mineur. Mais t'es pas mal en vrai, t'es vraiment pas mal. Donc, c'est un truc auquel tu fais gaffe. Donc ça c'est bien, ça c'est vraiment bien, et j'imagine que les pertes d'uptime, c'est aussi les moments où tu te barres du boss. Donc en soi, franchement c'est cool, hein. Franchement 88%, sachant qu'il y a des moments où tu tapes pas le boss, ça me paraît vraiment très correct. Donc on va regarder rapidement, surtout en fait sur ça, tu vois, sur les phases d'exec, est-ce qu'il y a des moments où tu spams tes execs, mais tu mets pas une frappe mortelle ou une frappe du colosse, sachant que frappe du colosse tu le mets en cooldown, mais tu vois ce que je veux dire, sur les moments où t'as pas ta frappe du colosse, est-ce que tu mets quand même ta frappe mortelle? Parce que 88% en vrai, c'est vraiment vraiment pas mal. Donc c'est parti pour aller voir ça, Mortal Wounds encore une fois, ça whatever, on n'a pas besoin sur ce boss. Donc c'est parti pour voir, et 9 frappes du colosse ça me paraît peut-être court, mais t'as l'air de les mettre plutôt en cooldown quand même.
Donc à voir. À voir, ça aussi il faudrait vérifier si tu les mets bien en cooldown. Donc on est parti. Donc on va denter ça, on peut reprendre All Friendlies, on va sur Cacahuète, bam, et on va checker la phase d'exec. Donc ça, ça va être important, la petite phase d'exec, le boss, il est là, il est à 30%, bah tiens, je suis pile dessus, 4 minutes 30. Donc 4 minutes 30, il passe à 30% HP, donc on va reprendre tes logs à toi, et on va se mettre à 4 minutes 30. On arrive en phase d'exec, et là on peut le voir, direct tu passes bien en mode, je condamne. Tu mets ta frappe du colosse. Donc là c'est bon, là t'as le debuff de la Mortal Wound pendant un petit moment. Tu remets bien, tu mets d'ailleurs ta prépote à ce moment là. Encore une fois c'est mieux à l'open, probablement. En vrai les mecs je les vois le mettre à l'open mais parce que eux ils ont des kills courts. Après faut voir, au niveau de DPS de ta guild. En soi, honnêtement on progresse, si tu sais que tu vas mettre... Bah là de toute façon tu pourras en mettre deux, hein. Tu pourras mettre une au début, une maintenant. Mais si tu sais que ta guild galère, mettre ta prépote à la fin sur la phase exact en guerrier arme c'est vraiment pas déconnant. Donc potentiellement c'est un bon play, hein. C'est pas, t'as besoin d'aller vite dans la phase exec, tu mets ta prépote en phase exec, c'est complètement ok en guerrier arme, hein. C'est même plutôt bien, hein. Le réflexe est bon là-dessus, hein. Moi c'est vrai que je regarde des mecs qui tuent le boss vite et ils ont des phases exec qui sont quasi inexistantes, donc au final ils envoient tout dès le début, ils ont tout leur cooldown, mais en soi c'est clair que c'est vraiment pas déconnant ce que tu fasses ça, hein. Ensuite, du coup, là tu délayes ton ravageur. Du coup, effectivement, tu maintiens un uptime plus long. Alors, encore une fois, hein, faut les mettre ensemble. Hein. Mais tu maintiens un uptime plus long de tes blessures profondes à délayer ça, c'est sûr. Mais bon, c'est pas le but non plus. Ouf. Et là, tu fais un ravageur. Alors, bon, effectivement, tu connais pas l'astuce du renvoi de sort. Mais si tu comptes te barrer, et même imaginons que l'astuce de renvoi de sort marche pas, jamais tu fais ravageur avant. Hein. Faut le faire vraiment pendant que tu peux taper. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Imagine, t'as un proc avatar ou autre pendant. Du coup, du fait de mettre ravageur, t'as rien là, tu peux pas taper. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de pertes de DPS. Hein. Faut vraiment faire gaffe. Hein. Si tu sais que tu dois te barrer avec une mécanique, quelle qu'elle soit, tu te barres, mais seulement après tu burst. Hein. Tu burst pas et après tu te barres. Hein. Ça, c'est. Évidemment, si t'es pris de court, il vaut mieux te barrer quand même. Hein. Je dis juste, si tu peux, il faut le mettre après. Quoi. Ok, donc tu reviens avec des charges, t'es full orage, nanana. Donc t'as encore un peu le debuff de blessures profondes, mais là tu vas commencer à plus l'avoir. Et c'est ici, là, c'est là où je veux voir une frappe mortelle. C'est ici où il faut une frappe. D'ailleurs, je sais pas pourquoi tu pummel. Bon, c'est pas grave. Pas besoin de le cut ici, hein, mais peut-être que du coup t'es mis sur tes sorts. Ici, là. Ah ouais, du coup t'es reparti. Mais ici, tu vois, là t'as plus l'uptime hein, dessus. Hein. Donc quand c'est comme ça là, ça c'est ces exacts là, il faut pas les faire. Hein. Il faut remettre une frappe mortelle dans ces moments là où t'as plus la blessure profonde, c'est vraiment important. Faut pas te baser que sur la frappe du colosse et de ravageur. C'est vraiment important de traquer ton debuff de blessure profonde et mettre une frappe mortelle. Hein. Tu vas gagner beaucoup plus en DPS que de repartir direct en exec. Hein. Exec dès que c'est allumé, c'est pas forcément un bon réflexe. Cependant, tu mets bien tes fulgurances entre tes execs, ça c'est cool, ça c'est vraiment important pour maintenir la rage, hein, sinon t'as plus de rage. Ça également, tu mets ton buff war. J'ai vu que tu utilises le bonbon démo également. Ça, c'est vraiment bien. C'est des bons réflexes, ça. Tu retapes, etc. Et là, c'est pareil. Tu vois, là, t'as de nouveau un trou. Et c'est là où il faut refaire une frappe mortelle. Hein. Il faut maintenir la blessure profonde. Vraiment important. Tu vois, là, par exemple, t'es sous avatar. Et t'as pas ton debuff de maîtrise sur la cible. Et ça, tu perds vraiment, vraiment beaucoup en DPS là-dessus. Hein. Ensuite, tu le récupères avec la frappe du colosse. Et voilà, fin du fight. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'astuces, honnêtement. Je pense que t'as déjà beaucoup, beaucoup d'infos là de ce que tu peux améliorer. Donc, je te laisse me dire en commentaire, Cacahuète, qu'est-ce que t'en as pensé. Et d'ailleurs, toi qui regardes la vidéo, hein, parce qu'évidemment, c'était un peu le deal. J'ai dit, écoute, avec plaisir pour regarder tes logs, mais dans ce cas-là, j'en fais une vidéo parce que je trouve ça intéressant à voir en vidéo. Ça me faisait plaisir et c'est un nouveau format de vidéo. Donc, vu que c'est un tout nouveau format de vidéo, ce que je t'invite à faire. Toi qui regardes cette vidéo, c'est me dire qu'est-ce que t'en as pensé. Est-ce que c'est un truc que tu kiffes de chercher comme ça, à aider comme ça un abonné en regardant ses logs, en montant le plus d'infos possible. Ça peut t'apprendre également à chercher comment regarder des logs par rapport à d'autres personnes, etc. Et je compte du coup faire des vidéos comme ça, un peu récurrentes, potentiellement une ou deux par semaine, et axées sur comment aider un joueur, et également sur comment aider une guild au niveau d'une strat. Donc je te laisse me dire tout ce que t'en as pensé en commentaire, n'hésite pas non plus à t'abonner, ça coûte rien, c'est gratuit, ça me fait plaisir, et en plus tu peux te désabonner à tout moment, n'hésite pas non plus à partager la vidéo autour de toi, surtout si t'as des potes guerriers armes en l'occurrence. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et on se retrouve très vite.